الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم mes frères et sœurs. Aujourd'hui, inshallah, nous allons parler de la prière qui est la meilleure des œuvres après la croyance en Allah et en son messager. Dieu a rendu obligatoire 5 prières par jour et nuit pour tout musulman pubère et saint d'esprit. Il n'y a pas d'autres prières obligatoires quotidiennes, mais il y a de nombreuses prières surérogatoires qu'il est recommandé d'accomplir. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khamsu salawatin katabahun Allahu ala al-ibad » ce qui a pour sens « Allah a rendu obligatoire aux musulmans 5 prières quotidiennes » rapporté par l'imam Ahmed. Quelles sont ces prières obligatoires? Ces prières sont « Al-Zuhr, Al-As, Al-Maghrib, Al-Isha et Al-Subh ». Al-Zuhr, c'est la prière que l'on accomplit à la mi-journée. Elle est composée de 4 raka'a. Al-As, c'est la prière que l'on accomplit dans l'après-midi. Elle est composée de 4 raka'a. Al-Maghrib, c'est la prière que l'on accomplit après le coucher du soleil. Elle est composée de 3 raka'a. Al-Isha, c'est la prière que l'on accomplit la nuit. Elle est composée de 4 raka'a. Et Al-Subh, elle est appelée également Al-Fajr. C'est la prière que l'on accomplit à l'aube. Elle est composée de 2 raka'a. Plusieurs hadiths prouvent cela. Il y a ainsi le récit de cet homme qui est venu au prophète l'interrogeant au sujet de l'islam. Le messager de Allah lui a entre autres enseigné Khamsu salawatin katabahun Allahu ala al-ibad, ce qui a pour sens 5 prières que Allah a prescrites aux musulmans. L'homme a alors demandé dois-je en accomplir d'autres que celles-ci? Le prophète lui a répondu Laysa alayka ghayraha illa an tatawwa, ce qui a pour sens non, tu n'as pas d'autre obligation que celle-là, sauf si tu veux en faire d'autres de toi-même. Cependant, il est fortement recommandé d'accomplir des prières surérogatoires durant la journée, notamment les rawatib et la nuit, qiyamul layl. Cela comporte de grandes récompenses. Que Allah nous préserve de la paresse et qu'il nous facilite pour accomplir nos prières dans leur temps. Inch'Allah. Retrouvez-nous chaque vendredi avec un nouveau rappel sur notre chaîne YouTube. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. Hayya ala al-salah, hayya ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.